Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, je suis pourtant sur ma table. C'est que bon. Elle veut me faire voir pour le pull. Là, tu peux l'essayer par-dessus comme ça. Par-dessus? Oui, si tu veux bien. Si ça ne te dérange pas aujourd'hui. Si là j'ai froid, ben je sais pas. Hein? Si là j'ai froid, je sais pas. Un pull par-dessus. Un pull. Oui, c'est juste pour essayer la manche. C'est tout. Bon, après, quand j'aurai la monnaie oui, un peu rentrée, ça sera moins... C'est juste pour essayer la manche. Pour la... C'est vrai que sans manche, ça fait manche. Ça fait manche. Hein. Mais on voit la bosse que j'ai là. On voit bien. Bon. Mais bon, allez. Allez. La vie, c'est la santé. La santé, c'est la santé. Bien. On avait fait ça. En tout cas, elle n'est pas trop décolletée. En plus, j'ai une brassière. Oh, oui, mais ça, je m'en fous. Non, mais pour dire. Hein, je mets juste ça en dessous pour. C'est la mesure du. Ça fait un style, hein. Pour de toute façon, la vie ne fait pas le moine. Hein. C'est trop court. Alors, je fais ça. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Hé hey! C'est bon, là, non? Ça te va? Oui, il est bien. Ou c'est trop court ou trop long? Non, on est bien parce que des fois c'est bien un peu que ça soit. Oui, parce que tu peux un peu mettre. Voilà, c'est ça. Sinon, ça fait trop, voilà. Non, trop raide. Eh ben, c'est bien, alors je peux le terminer et puis c'est fait. Voilà, bon, c'est ça de regardez. Si elle met la manche. Voilà. Je sais que c'est long. Voilà. Elle est jolie, à moi, il me plaît. Voilà, elle est bien. Parfait, ouais. Nickel. En haut, c'est bien fait. Parce ouais, que j'avais, pas trop décolleté. J'avais des problèmes en haut. Il n'est pas trop décolleté. Ouais, suffit. Ouais, bah, je te remercie. Hop, déshabillez-moi. Pas trop vite. Je ne vous dis pas comment je me déshabille. Et l'autre manche, j'ai déjà commencé. Hein. Là. J'étais déjà en route, là. La deuxième manche. Tu peux le mettre une fois que je suis opérée, ça sera moins voyant. Ouais. Je vais te prendre des trucs un peu. Non, mais en déjà, gros, la voir, j'ai jamais fait ça, la pointe. Je fais autrement, moi. J'ai jamais fait ça comme ça. À part. Ça, c'est à part. C'est cool. C'est fait à part, ça. Oui, c'est. Oh, partout. C'est à part. Ça, c'est fait à la main à part. Et après, il faut le coudre. Il faut le. Oui. Et j'ai jamais fait comme ça. On peut m'oublier parce que ça sera un pull à trous. Alors, elle est comme ça. En fait, tout le pull, il y aurait des trucs comme ça, de partout. Ouais, mais il est joli, il est beau. Ouais, il est beau. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il est joli. À moi, elle était chaleureuse. Hein. Elle était plus petite que moi. Oui, je suis une petite femme. Elle est plus petite que moi en vrai, et dans la carte d'identité, elle est plus grande que moi. Hein? Oui, elle est mal faite, la carte d'identité. C'est le monsieur, c'est autant le. La balance côte, là. Pardon. Oh mon Dieu, elle nous invite. Voilà, c'est fini, c'est fait. Attends, faut pas que ça marche. Voilà. Voilà, maintenant je peux terminer le plan et tout ça, là, c'est bon, je peux pas finir. Hop là. Parce que c'est... Je reviens. Oh, elle va nettoyer la table. Ping, ping, ping. Je fais nouveau souhait. Je fais nouveau souhait. Je te laisse faire, c'est une pro. Je te laisse faire, c'est une pro. Voilà. Je fais nouveau souhait en pistolet. C'est le Vulcanic Fusil Velsa. Je vous le montre. 45 minutes d'autonomie, là. 30 kappa. Anti-tangle. C'est écrit un peu en anglais. Et voilà. Je vous montre un peu. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ta mère. Tiens. Moi, je fais. Comme ça, je fais le nouveau pistolet. Je vous avance un peu. Voilà.
Ultinique, la marque Ultinique, elle est pas mal. Combien? C'est le U12 Versa. J'ai vu qu'au niveau de l'écran, je crois que ça s'appelle incurvé. Tu arrives? Voilà. Hop là, tellement pressé. Voilà. Hop là, on y va. Hop là. Hop, moi, ça. Je vous montre, et ma mère, elle vous montrera les objets qu'il y a à l'intérieur. So. Moi, je vous montre les objets. Il y a le manuel. Hop là. Toujours pratique le manuel. Voilà. Bon. Ça, je pense que tu montes ça. Hein? C'est les broches, je crois, c'est pour les rideaux. Oui. Ou, voilà. Écoute, on met le smart. Pour la voiture aussi. Voilà. Pour nettoyer. So. C'est lui là. Ça, c'est la partie. C'est même en force. Oui, oui. Hop là. Ça, c'est la batterie. T'as vu? J'ai rien à dire. Voilà. La batterie. Moi, c'est le pistolet que moi, je veux. Ah, ça, c'est pour accrocher. Oui, voilà. C'est pour le fixer. Le pistolet. Oh, hop là. Ça y est, j'ai mon pistolet. Voilà. Le câble pour charger la batterie. Attends, voilà. De là, t'as aussi un machin, là. Attendez, je pose mon pistolet. Celui-là, vous le verrez à la fin. Moi, je pense que ça, non, ça c'est pour accrocher. Parce qu'il y a les vis à l'intérieur. Ouais. C'est pour fixer, pour pouvoir l'accrocher. Moi, je pose tout ça là. Ça, c'est pour... Ça, c'est un tube pour pouvoir passer entre les coins. Les coins et tout. Oui. C'est super pratique ça, même pour les voitures, dans les coins. C'est bien ça. Ça, c'est le filtre. Ouais. Ah, ça, c'est un filtre. J'ai rien à dire. Bon, ben, je vais le faire. Vas-y, moi, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Oui, hop, alors, vas-y, au revoir, à demain. Allez, salut. Ah, allez, salut, puis somme. Morse que, quel. Ah. Au revoir, à demain. Ah, oui, salut, au revoir, à demain. Hein. Voilà, ça, c'est le pas de l'aspirateur. Voilà, c'est. Hein? En dessous. Ça, c'est. Ça, c'est la brosse en dessous. Ouais, ça, c'est ma bien fille, elle le montre tout près. Quand je suis allée ou les cheveux longs, vous pouvez prendre une petite pince, normalement. Oui. Pas de spatial, c'est avec, et vous pouvez juste couper les filaments pour mieux enlever les cheveux. Et là, il y a la lumière à LED pour voir mieux les saletés qu'on ne voit pas toujours forcément à l'œil nu. Avec la lumière, ça éclaire bien et on voit bien les saletés. Ah. Voilà. Ah. Le tube. Ça, c'est le tube. Oui. Voilà, ça vous le mettez, le tube. Ah, tu peux l'agrandir, non? Oui, je pense. Ouais. Là, c'est pour l'agrandir. Là. Ouais, okay. C'est tout. Voilà, c'est le tube pour l'agrandir. C'est tout. Oui. Ouais, attendez, je vous montre encore autre chose. Hein? C'est le plus important. Le plus important. Voilà, mon pistolet. Je vous tue tout le monde. Allez, vas-y, allez. Il est où, Orion? Allez, parti. Ouais. Le pauvre, pour tout le monde, ça, c'est l'aspirateur. Il est joli. Ouais. Ah, c'est la même chose que moi, j'ai. Oui, pareil, c'est pas très la même. C'est tous les mêmes systèmes. Youhou, j'ai ouvert le couvercle. Là, vous avez le fils, là, en fait. Oui, ça. Ça, c'est le bac pour la saleté. Vous ouvrez là pour le vider. Mmh. Et... Bah, je ne sais pas comment tu t'en fais ça. Là, voilà, c'est ça. Vous voulez voir, c'est complètement différent, regarde. Oui, il est autrement que le nôtre. Parce que sur les autres aspirateurs, vous voyez le temps de charge, combien de minutes il vous reste, s'il est chargé, si vous devez le charger. En général, c'est marqué là. Et là, en fait, c'est à l'intérieur. Attendez, hop là. C'est là-dedans, au fond, là. C'est des trucs incurvés. Attendez, je vais voir s'il est un petit peu chargé, peut-être, avec la chance. Non. Ah non, mais il risque pas d'être chargé, j'ai oublié la batterie. Ouais, elle sait mieux que moi, elle. Vous avez vu? Hop là. Allez, on va essayer si on a quelques minutes au moins que je puisse Mais tu crois qu'il est chargé? Ouais. Voilà. Ah. Vous l'avez vu? Il est magnifique. Il reste 24 minutes 27. 30, 40. Lumière. Ah, regardez. Oh, c'est chouette. Ouais, là, c'est la puissance, vous avez vu? 120.
par minute. 90 tours par minute. C'est marqué fois. Fois 1000 tours par minute. Il est beau, hein? Voilà. En tout cas, par contre, quand vous le mettez bien sûr en pleine puissance, l'autonomie est plus courte. Mais c'est joli. Regarde le dessin. Oui, ça c'est quand tu le bâton. Tu oui, quand tu le, le bâton, il a des jolis dessins à côté là. Quand vous le chargez un petit peu. Ouais, comme ça. Et puis après, je vais le tester. Et puis comme ça. Pour ma mère le teste. Elle fait. Faut plein manger l'habitude. Ça c'est là-bas au bout, je pense, oui. Ça c'est là, je pense. Ma grand-mère. Je vais charger et je reviens. Oui. Elle revient. Il m'a chargé, je suis de retour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Ou c'est moi qui sais plus ce. C'est ce côté, je pense. C'est là, ça, là, là, là. Ça, ça c'est là. Et là, il y a des trucs là. Oui. Regarde ça. C'est rond, ça va là. Regarde, c'est rond. Ça, ça va là. Là. Sonine. Là, que. Poussière. Poussière. Oh hey, hey, oh, oh, je me suis pas complètement avec elle. Là, good. Youhou. Good, Alice. Hop là. La grand-mère, elle s'est. Et là, il y a le haut qui va. Bah, il est là-bas. Ouais, que je on met après parce que je suis en train de le charger. Oui. Donc, voilà. Il y a tout ce qu'il faut avec, hein, le manuel, oui. Tout. Ouais. Il y a même le filtre. Vous voyez, il y a du, il y en a deux ou un. Ouais, elle, est conne, fille, elle est tellement nerveuse qu'elle laisse tout tomber, la grand-mère. Il fait des bruits normaux, hein, comme un aspirateur. Voilà. Ah, moi je crois qu'il y en avait deux filtres. Je crois qu'il y en a déjà un dessus. Ouais, mais ça c'est le deuxième alors. Ouais. Moi je crois qu'il y en avait deux là maintenant, c'est parce que j'ai vu. Non, c'est un peu épais. Oui, c'est ce que je croyais maintenant. Parce que dans les autres, on avait deux des fois. Tu te rappelles? Il faut regarder s'il est dedans. Attends, je vais aller voir tout de suite. Oui, vas-y. Parce que des fois, il est dedans et des fois, il n'y en a pas. Alors qu'en normal, il y en a toujours un dedans. Hein? Ouais, il y en a un dedans. J'en ai atteint un. Là. Au plan de Gates. Et je cueille. Ouais, il est là. Au plat. Ça se met en sous le robinet. Vous pouvez le rincer, le truc qu'il y a avec le poussière et le filtre et tout. C'est normal, le filtre il se met là. Ah, je trouve. Vous avez vu, il faut enlever cette partie-là. Et là, vous voyez la petite truc qui est épais, ça c'est le filtre en fait qui se met là. Parce que, à mon avis, là il y en a déjà un. C'est ce qu'il y a toujours dedans. Voilà, je vais le laisser charger, puis on va voir ça. Ah, c'est ça là. Ah, là par contre, c'est ici le bouton. Vous avez vu, il y a un petit bouton gris. Vous appuyez et vous avez juste à le lever. Hey, ben voilà. Finalement, il y a le filtre. J'ai trouvé. Ben, c'est pour ouvrir sortir la brosse. Regarde, il y a déjà le filtre. En... Ah, alors c'est de change. C'est ça qui est bien chez eux, il y a toujours un filtre de oui. Change. Oui. Donc, ça, moi, j'aime bien. Et regarde, du coup, là, tu as le dessin. Tu appuies ici et tu le lèves. Ah, c'est encore plus facile que l'autre. Comment je marche, j'arrive pas, moi. Mais si, c'est parce que t'es pas, t'as encore pas pris le pli. Non, j'ai encore pas pris le pli, ça c'est vrai. C'est bon, lui dire 10 fois, mais oui. Moi, l'autre que j'ai gardé pour moi, c'est le blanc. Mais je fais attention, moi je tiens le rond, je l'ai gardé pour moi. Pour une fois, je suis gardé quelque chose. Cliquez là, il y a... Attendez, je viens. Ouais. Maintenant, c'est mon tour. Là, on va faire aussi. Ben oui, fait. C'est une pro, hein. Attention. Oui, oh ben, je suis pas une pro. Ah, punaise, tu te débrouilles bien. Hein, Je clique là, ça fait... T'as ça appuyé, non? Tu pousses vers le haut. Oui. Non, vers le bas. Il y a un bouton. Ouais, vers le bas. Et ça, c'est ça se lève. Et après, vous pouvez sortir la brosse. Voilà. Attends. Je te laisse. Vas-y. Je ne sais plus, moi. Vers toi, tu lèves. Vers chez moi. Oui. Ah. Mais tu sais qu'on a soit à côté, non? Peut-être. Non. Alors, bah, du coup, moi, je l'ai chopé par les poils. Oui, elle et là, vous le levez. Voilà. Et puis, finalement, il sort. Après, on le remet. Voilà. Et, hop, et on fait. Et ça, vous pouvez le rincer en dessous le robinet. Ouais, c'est plutôt pour nettoyer, pas trop le mouiller. Non, mais il le montre.
Ouais, mais après, chiffon humide. Oui, c'est mieux. Il ne faut pas abîmer non plus. Hein. C'est pas au combu, mais moi, je jamais mis sous le robinet. Moi, je viens tout avec un chiffon. Bon, un chiffon humide. Oui. Il est prêt, mon pistolet? Moi, je ne mets pas combien chargé. Parce que il faut que je... Ouais, c'est comme j'ai tout dit, hein. Écran, lampe d'ambiance, bouton de contrôle, comme je vous ai dit. Oui. C'est incurvé, voilà. Bouton déverrouillage du bloc batterie. Bon, ça... Je vous l'ai montré. La brosse des enlins, brosse à poils, brosse pour le plancher. C'est que ma mère elle a accroché. Voilà, la batterie, voilà. Oui, ça marche. Voilà. Et après, tu as appelé où ? Vous l'avez vu. Affichage du temps résiduel de fonctionnement. Affichage du volume d'aspiration, comme je vous ai montré avant. L'indicateur d'alarme du bouchage du conduit d'air. Ah, c'est pas mal, c'est débouché. Indicateur de lampe d'ambiance. Indicateur de la bouchage de la brosse du plancher. Voilà. Et indication de vitesse de fonctionnement de l'aspirateur. Et t'as regardé dans la vitre là dedans? Ouais, elle est beau, j'ai pas joué. Ouais, pas regarde, mal. Il y a des trucs. Là, c'est maintenant 88.88. Et si je ne me trompe pas, normalement, c'est ce que j'avais vu. En fait, quand vous, maintenant, vous aspirez avec la plupart, la plupart des aspirateurs. Oui. T'as vu, il est beau, hein? Oh, punaise, là, vous voyez. Si maintenant, vous aspirez, par exemple, là, le parterre, il est moins puissant. Vous n'avez pas besoin de grande puissance, si c'est pas trop ça. Il aspire automatiquement sur les tapis, mais tout seul, plus fort, pour aspirer encore mieux. C'est automatique en fait, il est l'écran. Regardez là. Bon. Ouais, là c'est pour garder mieux. Là. Attention, c'est une mitraillette. Voilà, c'est la lumière. C'est incurvé, c'est joli. Et tant que je l'ai déjà montré avant, maman. Vous avez vu la couleur, elle change. Oui. D'après la puissance de votre aspirateur. C'est joli, hein. C'est joli. Là, tu ouais. Vert, hein. Et là, c'est lumière, sans lumière, vous avez vu. Vous pouvez l'éteindre, la lumière. Voilà, là, il y a plus de lumière. Ces boutons-là, hein. C'est en fait pour si vous voulez la lumière ou pas. Voilà. Ça, c'est mes doigts, hein, mes mains. Il reste 32 minutes, si je ne me trompe pas. Attends, non, mais non. 42 minutes. Donc, tu peux aspirer si tu as envie. Eh bien, aspirez un petit coup, je vous filme ça en accéléré. On peut faire le tapis, et hop. Voilà. Il est propre, hein. Ouais, maintenant plus. J'ai mis plein, plein de sucre. Oh. Là. Oh, non, voilà. Ma mère dit hop hop, allez, minute, minute. C'est parti. Hop là, on y va. La, 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 la. Ah, t'entends? Il y a partout du sucre. Augmenter la puissance là. Et c'est ici. Il sera plus fort. Vas-y. Ouais, mais il va aller plus chercher. Voilà, il n'y a plus rien. Je peux mettre encore plus fort la puissance, c'est mieux encore. Tu vois, c'est pas mal. Je suis en train de lui montrer comment faire pour l'autre parce qu'elle n'arrive pas. J'arrive pas, moi. Hop là. Alors, là, tu appuies. Ça, c'est son aspirateur. Il est aussi super. Hein. C'est le Ultenic. Et Ultenic. Ouais. Ouais, je sais pas. Je ne suis pas arrivée à enlever la petite. La tout le haut. Là, mais c'est pas. Je n'avais pas de force. Tu appuies là. Il faut juste le tourner. Je suis se tourner. L'autre sens. Voilà. Ah, merci. C'est déjà ok. Bah, maintenant, je nettoie. Voilà. Maintenant, je le nettoie. Je suis quand même là. Voilà, avec plein, plein de saleté dedans. Attendez, je vous montre qu'est-ce que j'ai trouvé comme trésor. Trésor que j'ai trouvé. Non, je rigole, c'est les poils du chat. C'est les poils du chat. C'est les poils du chat, mais j'ai du mal à l'ouvrir. C'est pas grave, c'est beau, je t'ai montré. Regardez. Et là, du coup, je vous montre. Ce que nous, on a aspiré. Oh, attendez, il y a un contre-jour, là.
Tout le sucre. J'en ai mis un paquet quand même du sucre. Mais il est tout noir. Vraiment dégueulasse. T'as vu, il est tout noir, il est sale. Il y a même des poils, vous avez vu? Oui. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait la nuit pour qu'il y ait autant de poils? Mais c'est le chat, il perd les poils. Ah bon? Je peux rien. Voilà, on va le vider, on va le nettoyer. Oui, on va aussi le nettoyer. Je vous mets tout en descriptif, en barre d'infos, tout sera épinglé, il n'y a pas de problème. Si jamais. Elle allait déjà le faire tomber le sien. Regarde, il y a plein de poils. Regardez-moi voir ça. Putain. C'est pas grave, t'as plus de poils. Mais au moins, tu m'as montré, maintenant je le sais. Ouais, j'avais du mal à tirer la tige. Ouais, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Ben moi, c'est le fait. On se dit à tout à l'heure, ou sinon, on va à demain si je fais vidéo ce week-end. Je ne sais pas si je vous reprends pendant le week-end, mais si jamais, au pire, je vous reprends lundi. Parce que lundi, je vais à l'hôpital déposer mes documents. Au cas où, si jamais, de toute façon, je mets les jours. Puis voilà, puis c'est pas grave. Sinon, ça va. À tout à l'heure, ou à demain. À plus, ou à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Du coup, ben, on est en vadrouille à Leclerc. Ouais, t'as vu. Elle a mis la belle petite sacoche. Elle est jolie. Avec le petit collier cadeau, avec le petit nom du petit. Ça, c'est les boucles d'oreilles que j'ai offert pour l'anniversaire. Ouais, c'est trop belle. J'en ai fait des kilomètres en plus. Je fais des fossiles. Ah ouais, elle a fait les fossiles. Tu veux le montrer? Si tu veux. Elle a fait les fossiles. On voit ou pas? Ouais, c'est joli. Ils sont... J'aime bien, c'est discret. Ouais. C'est pas trop de volume, c'est discret. Genre, ouais, franchement, j'aime bien. Il y a plein de promos, je te dis pas. Ah, 1,40€ la moutarde. Moi, d'ici que vous voyez la vidéo, que vous aurez vu la vidéo, la promo est déjà passée. Hein. Vu que moi, c'est des vidéos programmées, donc ça ne va pas vous aider avec moi. Voilà, bon, on va regarder un peu ce qu'ils ont. Ouais. Ah, les coucouches, Ophélie. Ouais, mais t'as vu, c'est tout de suite. Ouais, mais c'est 5 kg, 3, 4, 6, 10 kg. Ah, c'est trop grand. 9, 14 kg. En fait, ils n'ont pas pour les petits. Ils n'ont pas pour les petits. Mais c'est plutôt comme ça. Petit, petit, c'est dommage. Bon, après, on peut mettre de côté, mais franchement, elle en a besoin. Donc, on va acheter 4 exemplaires non plus. 14. 6, 10, ça va être trop grand. Non, c'est trop. Parce qu'elle a pas. 4 kilos, je pense. Ouais, ouais, un petit cucu, alors. Il va prendre 3 cucu. 2,29€ le kilo. Du coup, elle a pris des coucouches. Bon, je sais qu'en général, tout ce qui est fruits et légumes à Leclerc, ça coûte plus cher. Mmh. C'est ça, moins de 15 paquets. Regardez, 3,90€. Le chocolat pour la Saint-Simon. Alors que même à Lidl, il est plus cher. Donc à Leclerc, il est moins cher. Donc je vais en prendre un pour ma mère. Voilà. Tu as besoin de lait, tu peux mettre chez moi. Hein. Chez moi, c'est vide. Chez Ophélie, bah oui, puis c'est normal. Hein. Bon, après, je vous montre comme ça. Je vais pas faire un retour de course. Hein. C'est pas mes courses. Hein. De la marche, la mozzarella, des coucouches, cacao. Là, c'est un truc de... café. Au concombre. Ah, ça, c'est au café. Ça, c'est un sandwich. Voilà. Et moi, j'ai un cacao pour la machine à ma mère et deux topinambours. Ça, c'est pour Ophélie aussi, le lait. On a pris ça pour le petit. Ça, c'est toi qui l'as pris. Ah, ça, c'est moi. Il y avait moins 50%. Ouais. Et il était à 15,99€, moins 50%. La couleur, elle est belle. Ensuite, ça, c'est toi aussi. Ouais, ça, c'est moi. J'aime bien. Salopette. Comme dans le temps, moi j'avais ça quand j'étais jeune, avec des pinces. Mais j'en ai, mais c'était en short. Des bretelles. Les... Nous on avait ça. Fais voir, ouais, le même style. Ah, on est d'accord, à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont reçu ça avec des bretelles. Moi j'en ai pas, mais c'est en short. Ça c'est moins 50% et c'était 22,99€, moins 50%. Je sais plus ça fait combien. Comment t'es pris quoi. Ça c'est toi aussi. Moi c'est aussi moi. 17,99€, moins 50%. Et en plus, il y avait encore 20% sur le tout. Et après, il y avait encore droit à 20% sur le tout.
Et le reste, c'est moi, ça, je crois. Ouais, ça, c'est Ophélie qui a choisi. J'ai pris deux genres de pyjama, là. Ouais, comme ça, il a les jambes à l'air. C'est un bleu à rayures. Il est beau, hein? Et le beau blanc, là. Enfin, blanc, c'est fois, plutôt... Avec la gigoteuse, des fois, il a chaud. Donc. Ouais. Il est beau, celui-là, j'aime bien. Celui-là, il n'y avait pas de pourcentage. Non, là, il n'y avait non, ça, pas. J'ai pas. C'était et celui-là 10 euros. 10 euros, celui-là. Et l'autre, c'était... J'avais dit, je crois, le prix, non? Ça, c'est 20 euros moins 50. 20 euros. Celui-là, c'est 20 euros moins 50%. Ça fait 10. Et ça va, hein? Le pull. Le pull, il est beau. Ouh. Avec le petit ours. 13 euros. Comme ça, je fais ça avec ça. 12,99, quoi. Hein. Voilà, ça fait un petit ensemble. Il va être mignon, là-dedans. Avec des chaussettes blanches. Ouais. Oh là là, la tête. Bon, du coup, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. À demain.